L'accession à l'indépendance est loin d'apporter la paix aux nouveaux États constitués. L'esprit de la conférence de Bandung avait pourtant fait naître de grands espoirs, avec notamment la perspective de la constitution d'un nouvel acteur international, le tiers-monde, se voulant non aligné sur les deux grands. Mais le rêve d'une solidarité entre les pays d'Afrique et d'Asie n'a pas survécu aux bouleversements internationaux de la période post-coloniale. L'implosion du bloc communiste, le décollage économique de l'Asie et le naufrage économique de l'Afrique ont incontestablement mis un terme à un processus qui, en 1955, avait fait naître de grandes espérances. Par ailleurs, les frontières dans lesquelles s'inscrivent les nouveaux États sont directement issues de la période coloniale. Dans la plupart des cas, en effet, les réalités ethniques, religieuses et historiques n'avaient pas été prises en compte par les Européens. Ces derniers parvenaient par la force à maintenir une cohabitation entre ces diverses populations, qui s'avèrent très rapidement impossibles à maintenir. Dans certaines zones, comme au Pakistan ou en Indonésie, des conflits ne tardent pas à éclater. Le départ des Européens laisse par ailleurs ces nouveaux États complètement démunis face aux impératifs liés à l'exercice du pouvoir. Ils sont ainsi pratiquement totalement dépourvus de cadres et d'élites capables d'organiser le bon fonctionnement politique et administratif du pays. Ces déficiences débouchent généralement sur une instabilité politique chronique, où l'armée s'impose trop souvent comme la seule force organisée capable d'assurer la cohésion nationale. Les jeunes États nés de la décolonisation éprouvent d'énormes difficultés à sortir d'une économie traditionnelle agricole basée sur l'autosubsistance pour mettre en place l'infrastructure et les installations industrielles nécessaires à leur développement. Leurs besoins en capitaux les conduisent très vite à solliciter des aides financières auprès des anciens pays colonisateurs. Ces pratiques ouvrent la voie au phénomène du néocolonialisme, qui s'exerce au profit des grands pays industriels et de certaines de leurs entreprises. Dans ce contexte, les populations des pays émergents continuent à vivre dans une grande misère, qu'une croissance démographique galopante ne fait qu'aggraver. De manière assez paradoxale, la langue des colonisateurs, qu'il s'agisse du français, de l'anglais ou du portugais, sont très vite devenues les langues de l'unité nationale qui permettent de maintenir la cohésion de ces nouveaux États. En effet, les multiples langues ou dialectes locaux constituaient un facteur grave de désintégration au moment de l'indépendance. Il lui faut tout à la fois sauver ce qui peut l'être de son passé précolonial tout en réinventant une nouvelle culture nationale.